Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour la première vidéo de cette nouvelle série, donc menu du jour. Donc là pour ce premier menu, donc pour lundi, en premier, en entrée, c'est concombre à la crème. Donc je vous ai noté les ingrédients sur le côté. Donc en premier, c'est très simple, j'épluche le concombre et je le coupe en petits morceaux. Donc en premier, je le coupe en rondelles et ensuite je le passe au Nicer Dicer. Donc beaucoup d'entre vous m'ont demandé mon avis sur cet appareil et franchement, je le trouve hyper robuste parce que je tape dessus comme un bourrin et il est bien résistant. J'en avais eu un autre que j'avais testé il y a un petit moment de ça et en deux fois, il était cassé. Donc là, celui-là, franchement, il est vraiment très costaud et je m'en sers vraiment pour tout ce qui est entrée, enfin voilà, pour couper les choses en petits et c'est vraiment agréable, je trouve. Que ce soit pour les enfants ou pour nous, d'avoir des plus petits morceaux dans la bouche, c'est plus agréable. Ensuite, donc j'ajoute la crème fraîche, le sel et le poivre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter de la ciboulette, de l'aneth, de la menthe, ce que vous voulez. Moi, je rajoute de la menthe parce que je trouve ça hyper frais, surtout là, avec les températures qu'on a. C'est très agréable de rajouter un petit peu de menthe partout dans ces plats. Ensuite, donc pour le plat, j'ai préparé des papillotes de saumon. Donc ça, c'est super pratique à faire et super simple. C'est un mode de cuisson que j'aime beaucoup. Donc là, avec du papier cuisson. Donc c'est très simple. En premier, je m'occupe de couper les courgettes en petits morceaux. Je coupe les tomates cerises en morceaux également. Je mélange les légumes entre eux et je rajoute donc de l'huile d'olive et le jus d'un demi-citron. Ensuite, rien de plus simple, on prend sa feuille de papier sulfurisé, on met le saumon dessus et on ajoute les petits légumes. Donc après, vous pouvez mettre d'autres légumes si vous le souhaitez, mais là je trouve que c'est vraiment les légumes d'été et ça donne vraiment un goût super sympa au saumon. I wanna be a weekend lover.
I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. On referme donc sa papillote comme un petit bonbon. Donc moi, pour ma papillote à moi, j'ai rajouté donc le restant de ciboulette et de menthe que j'avais coupé tout à l'heure. Ça donne un petit goût vraiment sympa, je trouve. Mais pour les enfants et Anthony, je n'ai pas rajouté de menthe ni de ciboulette. J'ai fait avec sel et poivre. Et voilà, parce qu'ils aiment pas trop quand il y a trop de goûts différents comme ça. On enfourne pendant environ 20 minutes à 180 degrés. Pour accompagner, j'ai choisi des spaghettis, mais vous pouvez également manger les papillotes avec des petites pommes de terre sautées ou bien avec du riz ou n'importe quelle autre chose. Repas du soir, j'ai préparé une petite entrée ultra rapide, donc simplement avec des tomates, des œufs et des concombres. Parfois, ce qui est simple, ça marche aussi très bien. Ça sert à rien de tout le temps chercher à se prendre trop la tête pour faire des entrées. En tout cas, celle-ci, elle fonctionne bien avec les enfants. Ça leur permet de manger encore une fois des crudités. Pour la recette, quand c'est comme ça, qu'il y a vraiment, que c'est vraiment très très simple, je vous renote pas les ingrédients, puisque là vous voyez par vous-même et vous pouvez composer votre salade comme vous le souhaitez, ajouter des radis, ajouter, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, du thon, etc. Moi je fais celle-ci en ce moment parce qu'elle est vraiment facile à faire et que les enfants aiment beaucoup. Pareil pour la recette qui suit, donc là j'ai préparé une pizza, je ne vous mets pas les ingrédients, puisqu'encore une fois vous pouvez la personnaliser avec les ingrédients que vous souhaitez. Donc là moi j'ai fait avec des légumes parce que les enfants aiment beaucoup cette pizza là. Pour la pizza, rien de plus simple, je fais cuire en premier les brocolis. En premier, donc je mets la base, donc crème fraîche. J'ajoute les tomates, les brocolis, enfin les morceaux de brocolis, les champignons, le fromage par-dessus. Vous pouvez mettre de la mozzarella, des fois j'alterne, hein. Des fois c'est du parmesan, là c'était de l'emmental. Donc voilà, enfin, je suis en fonction de ce que j'ai dans le frigo, voilà. Et ensuite, donc j'enfourne la pizza, pareil, pendant environ 20 minutes, mais je l'ai sortie un petit peu avant parce qu'elle a commencé à devenir un peu marron. Voilà, donc en fait, c'est plus 15 minutes qu'il faut pour cette pizza-là parce qu'elle est très fine. Donc 15 minutes, 180 degrés, et c'est prêt, il n'y a plus qu'à servir. J'espère que cette première vidéo menu du jour vous a plu. J'espère qu'elle va vous inspirer pour vos propres menus. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.